Le Tchad vise un décollage économique au cours des prochaines années. Élément essentiel pour y parvenir, l'offre énergétique doit continuer à croître. Un objectif affiché par les pouvoirs publics. Malheureusement, cette ambition bute encore sur des obstacles. Nous sommes dans un pays où nous n'avons pas les barrages hydrauliques. Vous savez, dans le monde, le plus cher, c'est le thermique. Le moins cher, c'est le nucléaire. Et le gaz est à l'intermédiaire. Donc, depuis l'indépendance, nous ne fonctionnons qu'au thermique. Donc, c'est ce qui fait en sorte que nous ne pouvons pas atteindre le taux de couverture assez important. Avec un taux d'électrification de moins de 40%, le Tchad reste un élève moyen du continent. Le pays navigue entre déception et promesse de la centrale électrique de Djarmaya et récemment celle sublimée par les énergies renouvelables. L'exécutif répond aujourd'hui à une double pression, assurer une croissance économique pérenne et satisfaire une population qui n'a pas encore accès à l'électricité pour certains ou qui subit de plein fouet les coupures intempestives de courant. Dépasser cette situation passe nécessairement par une restructuration du secteur de l'énergie. Très bientôt, la lettre de politique énergétique va être sortie, la loi 14 va être révisée parce qu'aujourd'hui, cette loi 14 qui a été validée par l'Assemblée depuis 1999 est devenue aujourd'hui un peu obsolète. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas prises en compte et ce qui freine un peu le développement. Aujourd'hui, quand les indépendants ils viennent pour produire l'électricité, il faut négocier le prix de production. Et là, il n'y a pas cette agence qui négocie les prix avec les indépendants. Or, cette agence a été annoncée déjà dans la loi 14. C'est ce que nous sommes en train de faire et très bien, nous aurons la chance de le mettre en pratique. Le Tchad, choyé par la nature, dispose d'un fort potentiel solaire et éolien, favorable donc pour l'implantation des centrales. Un projet d'ailleurs en expérimentation dans la région de l'Enedi-Est. Les résultats semblent prometteurs. Dans la zone où on estime qu'il y a forte chance en fait, disons, d'avoir un vent en permanence, en fait, disons, peut-être qu'il vaut mieux pour l'économie future faire évoluer. Dans les autres régions, je pense que nous avons privilégié l'énergie solaire qu'on a déjà initiée dans beaucoup de villes comme Abéché, Moundou, ici à Mdjaras, l'éclairage public en fait, disons, particulier. Même une rue à Niamena, on l'a déjà fait. L'éclairage public solaire qui marche, qui fonctionne très bien et qui a donné des résultats. Donc il y a plusieurs possibilités pour l'utilisation d'énergie propre. Pour ce qui est de l'exploitation du pétrole, la production a atteint sa vitesse de croisière. Du premier puits dans le bassin de Doba, l'on est passé à des centaines de puits dans les champs pétroliers de Doba et de Koualba. Les deux sociétés détenant des permis d'exploitation, que sont Esso et CNPC, ont déployé des moyens ultra-modernes de production. D'autres gisements sont en chantier. Le projet Rigric, vieux de 40 ans, est en plein chantier. Il se trouve actuellement dans la phase de travaux de génie civil. Malgré une période délicate marquée par la chute drastique du prix du baril, cette situation n'a pas empêché le pouvoir public de baisser le prix du carburant à la pompe et même celui du gaz butane. Le chef de l'État est trop proche de sa population. Il dit, moi j'ai un problème, la chérité de la vie. Il faut diminuer le prix à la pompe. Et ce prix à la pompe, si on le diminue, ça nous permet de lutter contre la fraude. Le bénéfice, c'est quoi? C'est la population. Donc il faut qu'on se dise que nous allons toujours œuvrer dans ce sens. Dans ce domaine, le Tchad en sort gagnant. A oublié l'époque où le pays importait systématiquement les produits pétroliers, c'est au Tchad aujourd'hui d'approvisionner les pays voisins.